Alors nous sommes rassemblés devant le siège de la PHP où se tient aujourd'hui en effet le CHSCT central. CHSCT, comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Nous on est là pour dénoncer l'aberration de la politique de santé qu'il y a en France et l'attitude de Martin Hirsch, le bras armé du gouvernement et du ministère de la Santé et de Véran qui a comme seule réponse pour les personnels qui sont en train de mourir d'épuisement dans les services de santé, de leur imposer un pass sanitaire pour pouvoir travailler. Les personnels, on est étonnés qu'on soit épuisés, mais avec le temps de travail, la direction générale déjà prévoit une organisation du temps de travail où on passera de 11 schémas horaires à 21 schémas horaires. Les personnels sont épuisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au prétexte de payer des heures supplémentaires à gogo, les personnels ont fait des injonctions à aller travailler plus que le temps de travail réglementaire. On arrive à faire jusqu'à 48-50 heures par semaine. Les personnels ont une conscience professionnelle, ont été présents devant les patients depuis mars 2020. Certains ne sont pas partis en vacances, certains sont revenus de leurs vacances. Donc l'épuisement professionnel, il est là. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui, avec ces mesures de passe sanitaire, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau et nous avons des collègues qui démissionnent. Nous avons des collègues qui en ont vraiment plus que ras-le-bol de se voir contrôler alors que l'application de la loi, nous le rappelons, c'est à partir du 30 août et jusqu'au 15 novembre. Rappelez-vous, le 15 novembre et non pas le 31 décembre 2021, parce qu'il a fallu passer cette loi à travers le peu d'instances démocratiques qui restent encore dans le pays pour pouvoir dire que non, on ne peut pas mettre un état d'urgence sanitaire à tout va et à n'importe quel délai. En même temps qu'on est en train de vivre cette pandémie depuis un an et demi, Martin Hirsch continue sa politique de casse puisqu'il y a Adélaïde Audeval à Villiers-le-Bel qui lutte depuis 6 ans contre une fermeture. Il y a Jean Verdier dans le 93 et c'est aussi un désert médical qui va fermer. Vous avez Bichat-Beaujon dans le nord de Paris qui sont prévus de fermer. Voilà. Vous avez Garches qui va fermer. Vous avez Hôtel-Dieu juste à côté qui va fermer alors qu'en pleine pandémie, il aurait pu ouvrir plus de 100 lits Covid et il y a eu un refus de Martin Hirsch de laisser les lits ouverts. Voilà comment on gère la politique de santé en France. Vous voyez que tout est lié et qu'aujourd'hui, quand on s'oppose effectivement au pass sanitaire, ce n'est pas pour rien, c'est que les collègues en ont ras-le-bol, franchement, d'être traités, maltraités et de nous faire travailler jusqu'à l'épuisement. Nous n'accepterons pas ça. Nous devons nous mobiliser. Vous voyez, hier on était en grève, il y avait un mouvement de grève. On commençait à faire les contrôles post-sanitaires et on a des collègues à la PHP qui ont été assignés alors qu'ils s'étaient déclarés grévistes et qui n'avaient pas le pass sanitaire. Vous voyez, on est dans une aberration totale. Dans l'hôpital, il faudrait venir avec un pass sanitaire. Au restaurant, au cinéma et autres. Par contre, dans le métro, pas de besoin. Pourquoi les personnels de santé doivent avoir être vaccinés, l'obligation vaccinale, les pompiers, pas la police? Il faut arrêter de prendre et les personnels qui ont été de la chair à canon au début de la pandémie, qui aujourd'hui sont soi-disant responsables de la pandémie, et les citoyens pour des imbéciles. On n'est pas sans savoir que la vraie problématique face au Covid-19, c'est pas tous coupables et tous responsables, c'est qu'il faut arrêter de fermer les lits publics, il faut arrêter de fermer les services de réanimation. Surtout, nous appelons les collègues à rester mobilisés, à ne pas se laisser faire. Et qu'on doit être tous dans la rue, chaque mobilisation est importante, qu'on soit nombreux ou pas. De toute façon, on était déjà dans la rue, personnel de santé, pour dénoncer les conditions de travail et la fermeture des hôpitaux publics.
avant cette pandémie. Et si le gouvernement ne change pas de politique, on y sera encore plus nombreux après.